hermano canta. Pierre Malempré, je suis donc professeur de trompette à l'Académie de Ciné avec les sections d'Avlanche, de Gèves, de Marche et de Rochefort. Je suis aussi animateur musical pour les jeunesses musicales de la province du Luxembourg et je travaille spécialement donc avec les écoles marchoises, les écoles maternelles. Et je suis aussi donc artiste trompettiste qui donc gravite autour de différents projets. Eh bien oui, c'est ma trompette. C'est ma trompette qui est un peu bouchée aujourd'hui. Parce que ouais, force est de constater que par ce confinement, la culture est vraiment... La culture n'a plus d'importance apparemment aux yeux de la société, surtout aux yeux du monde politique, tout en respectant les mesures qui sont prises pour la crise sanitaire et pour endiguer cette pandémie. Mais force est de constater que voilà, les artistes ne servent à rien. Donc voilà, ce n'est pas du concret, mais bien sûr que les artistes servent à quelque chose, puisqu'on apporte chez les gens des émotions, aussi bien des rires, des pleurs, aussi bien de l'étonnement. Et donc c'est ce qui manque cruellement en cette période de pandémie, que les gens puissent s'évader un petit peu en fait, même beaucoup. Je collabore sur beaucoup de projets, pas en tant que soliste, mais je veux dire dans des sections de cuivre, dans un ensemble en général. Et donc c'est vrai qu'avec ce confinement, je veux dire la première vague a été très 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 difficile puisque beaucoup de concerts se sont annulés bien sûr. Des projets de se retrouver et d'être encore sur scène, notamment avec mon groupe Papayaz. Et donc là en fait, on a pu rebondir en septembre suite à une ouverture. Avec une petite brèche quand même dans la crise sanitaire pour jouer dans un festival de jazz à Verviers. Et depuis lors, on ne s'est plus produit sur scène, en fait, c'était en septembre dernier. Et donc là, on continue quand même à se parler les réseaux sociaux. On s'appelle aussi au téléphone et on voudrait avancer sur un autre EP, en fait, un autre disque qu'on voudrait bien mettre en œuvre. Pour justement passer à travers cette crise. En fait, ce sont des compositions, et ces compositions n'auraient rien à voir avec la crise sanitaire, aucun ressenti. On ne voudrait pas non plus tomber dans cette mouvance en fait, de revendiquer des choses par la crise. Non, non, non. On voudrait continuer notre ligne de conduite qu'on a eue dès le départ et la création de Papayaz. Et donc là, on est en train de préparer un deuxième disque, en fait. Lors du premier confinement, on ne s'y attendait vraiment pas, que ça dure aussi longtemps. Et donc, ouais, sur ma vie d'artiste, ça a fortement changé la donne, puisque je travaille énormément, j'ai toujours le nez dans le guidon, comme on dit. Et donc, avec différents projets, avec les cours que je donne et tout ça aussi. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et donc, voilà, le premier mot qui viendrait aussi pour le premier confinement, c'est déstabilisation. Et puis après, conscientisation. Vraiment, et de retrouver les choses essentielles et de se retrouver soi-même aussi. Et donc, et d'essayer de passer cette crise au mieux qu'on pouvait la passer. Et donc, oui, les choses essentielles, hein. Certaines choses essentielles comme continuer à travailler son instrument, puisque c'est vital. Pour moi, la sonorité de la trompette m'apporte beaucoup d'apaisement et j'ai besoin d'avoir ce contact journalier avec elle, je vais dire. Donc voilà, et donc et d'autres choses aussi bien sûr. La chance de vivre aussi dans une région rurale, et donc avec le confinement, ben voilà, se promener dans le jardin quand c'était possible en été, et se remettre à lire des livres aussi pour changer d'horizon et pour occuper donc le plus souvent sa tête aussi à d'autres choses. Alors pour ce qui concerne ma profession de professeur, c'est très difficile, on sent l'énergie différente en fait.
parce que là non plus, on n'a plus d'audition, on n'a plus d'examen public prévu. Et donc, c'est difficile de garder cette énergie et cette. Comment est-ce que je veux dire? Oui, cette énergie chez les élèves, parce que les élèves ne voient pas non plus les perspectives et on travaille surtout à longue échéance dans notre métier artistique. Donc ça manque cruellement aussi. On sent vraiment une autre énergie, oui, tout à fait. Ouais, je pense que mon combat aujourd'hui, ou le désir le plus sincère, ce serait que les gens prennent conscience quand même de tous les efforts qu'on est en train de faire et que ça puisse payer donc à long terme. C'est sûr que cette pandémie, ce genre de virus sera toujours présent et de plus en plus, je pense, il faut, là je suis un peu pessimiste, mais un peu réaliste aussi, mais je veux garder aussi mon côté positif, en disant qu'il faudra vivre avec, il faudra, et en espérant que les mesures sanitaires pourront donc lâcher un peu de lest à partir, lâcher du lest à partir de mars, pour pouvoir reprogrammer certains festivals, reprogrammer certains concerts, ne fût-ce qu'en plein air, avec l'été qui reviendra. Et donc ça, c'est mon souhait le plus grand, de pouvoir remonter sur scène, au moins pour l'été, quoi. Oui.